Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les potes, nous sommes le jeudi qui veut dire promotion et bonus du 17 au 23 novembre 2022 dans GTA 5 sur PS4. Donc si cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, le t'abonner et d'activer la cloche. Et sur ce les frérots, let's go! Dans le casino, nous avons la Baleur ST. Donc c'est un véhicule qui vient d'arriver depuis le DLC d'agence. Donc dans la Legendary, le véhicule vaut 667 500 $ et je vous souhaite bonne chance pour gagner cette voiture. Dans le salon Auto LS, nous avons la Tropo Rally. Donc c'est un véhicule qui est assez sympa. Donc pour gagner ce véhicule, le but est simple, vous devez faire une épreuve de course de rue et c'est de terminer dans le top 3 pendant 3 jours d'affilée et je vous souhaite bonne chance pour gagner cette voiture. Dans la Legendary Motorsport, nous avons la Grotti Italy RSX. Donc c'est un véhicule cassé très rapide. Donc il est en promotion à 1 819 125 $. Ensuite nous avons la Overflood Imogon. Donc c'est un véhicule qui est pas mal aussi. Donc il est en promotion à 1 515 500 $. Ensuite nous avons la Anis Saverstra. Donc c'est un véhicule très ancien. Donc il est en promotion à 693 000 $. Ensuite dans Suzen San Andreas Super Auto, nous avons la Grotti Brioso 300 qui est en promotion à 320 250 $. Et on peut le transformer chez Beniz pour avoir un peu plus de style en mode large. Ensuite nous avons tout en bas la Vulcar Nebula Turbo. Donc c'est un véhicule très ancien. Il est en promotion à 557 900 $. Ensuite nous avons la D-Class Vamos qui est en promotion à 417 200 $. Donc c'est un véhicule très ancien, c'est un gros cylindré. Donc dès que vous le customisez à fond, il peut faire des roues. Ensuite tout en bas nous avons la D-Class O-Tring Sabre. Donc il est en promotion à 581 000 $. Donc ce véhicule de course, donc c'est très sympa, il est très rapide. Dans Warstock, nous avons moins de 30% sur le Kosatka. Donc c'est le sous-marin de Caio Perico. Donc il a moins de 30%, donc profitez-en au maximum. Ensuite nous avons aussi les rénovations qui sont à moins de 30%, donc profitez-en aussi. Car franchement c'est très rare, franchement chez, on va dire chez... C'est chaque année que Rockstar met le Kosatka en promotion. Ensuite, toujours dans Warstock, nous avons la Verus qui est en promotion. Nous avons la Dinky Army qui est en promotion. Nous avons la Squaddy qui est en promotion aussi. Ensuite, nous avons la Vetir, la Manchester Scout. Donc, c'est une moto qui est très stylée. Et franchement, c'est la moto qui fait une roue arrière le plus longtemps du jeu. Donc vous pouvez rester en roue arrière en tournant, voilà quoi. Donc c'est le véhicule qu'il faut pour par exemple si un défi en mode libre, faire une roue arrière. Donc il faut ce véhicule pour faire le défi et vous allez le réussir à 100% car ce véhicule il tourne en faisant des roues arrière. Ensuite nous avons la Winky, donc c'est véhicule de Caio Perico. Ensuite nous avons la Annihilator Furtif, donc c'est un véhicule de Caio Perico aussi. Donc j'ai jamais testé cet hélico, mais je pense un jour je vais tester ce petit bijou. Ensuite, alors maintenant les potes, pour le braquage de cette semaine, nous avons le braquage de Trevor qui est la case départ. Et le braquage de la prison qui est x2. Donc profitez-en des potes, c'est dans le braquage de Lester. Ensuite, pour le Caio Perico, maintenant les potes, nous avons la Panthéon. Mais on peut l'avoir qu'une seule fois, la Panthéon. Donc dès que vous allez avoir la Panthéon, ce sera seulement la première et la dernière fois que vous allez l'avoir, la Panthéon de Caio Perico. Donc pour moi, franchement, c'est un peu dommage car je voulais quand même plusieurs fois la Panthère. Mais c'est qu'une seule fois qu'on peut avoir la Panthère cette semaine. Dans activité, jouer activité, créé par Rockstar, dans course,
Nous avons toutes les courses de Caio Perico qui est WRP, double de l'an. Donc franchement, pour moi, c'est une activité qui est assez très sympa car franchement, ça change un peu d'endroit. Donc on peut faire enfin les activités à Caio Perico. Donc franchement, ça change vraiment de Los Santos à Caio Perico. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire les activités. Et dès que vous faites les 10 activités, vous allez débloquer un véhicule que je vous montrerai en ce moment. Donc vous allez débloquer le tarif spécial dès que vous faites les 10 courses de Caio Perico. Donc franchement, je vous conseille fortement de faire les activités de Caio Perico qui est WRP, double de l'art. Ensuite, donc course casse-cou, nous allons descendre un peu en bas. Et là, vous allez voir donc, tout ce qui est course casse-cou tiret 45, etc. Il est WRP, double de l'art. Donc c'est tout ce qui est course casse-cou qui est x2. Donc c'est une activité qui est très sympa. Car franchement, moi je kiffe de ouf les activités. Je suis plus fun, plus délire. Donc franchement, je vous conseille vraiment de faire les activités. Ça rapporte pas beaucoup, mais ça rapporte quand même un peu d'argent et beaucoup d'RP. Donc franchement, profitez-en. Ensuite, sur la carte, nous avons une nouvelle course contre la montre qui a été déplacée. Donc c'est la course contre la montre normale, c'est Cypress Flat. Donc le temps à battre est de 2 minutes 7 secondes et 20 centièmes. Et moi, je vous conseille vraiment tout ce qui est course contre la montre normale, c'est faire en moto. Que ce soit en bâtiment 801, que ce soit en tout ce qui est en moto, je vous conseille de faire qu'en moto car vous pouvez par exemple zigzaguer, vous allez faire moins d'accidents comparé avec la voiture qui dérape trop ou bien qui frappe un PNJ, etc. Donc moi, je vous conseille de faire en moto. Et dès que vous allez réussir le temps à battre de 2 minutes et 7 secondes et 20 centièmes, vous allez gagner un bonus de 5 000 $. Ensuite, nous avons une nouvelle course contre la montre des RC Bandito. Donc le temps à battre est de 1 minute et 45 secondes. Et dès que vous allez réussir le temps à battre, vous allez avoir un bonus de 5 000 $. Donc cette semaine, c'est Caio Perico qui est mise à l'épreuve. Donc c'est la panthère qui est en jeu. Donc c'est qu'une seule fois qu'on peut avoir la panthère. Donc franchement, je vous souhaite bonne chance pour avoir la panthère. Et pour avoir beaucoup plus de chance pour avoir la panthère, il faut que par exemple dès jeudi ou bien dès que vous allez faire la toute première fois votre préparation de cette semaine, vous allez peut-être recevoir la panthère du premier coup. Donc franchement, vous avez beaucoup plus de chances de faire comme je vous dis. Donc c'est dès que vous allez faire votre première préparation de Caio Perico cette semaine, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir la panthère. Ensuite, nous avons le braquage de Trevor qui est x2. Donc c'est la case départ, donc profitez-en. Et nous avons aussi le braquage de Lester qui est la prison qui est x2. Donc profitez-en les potes. Donc sur ce les frérots, moi je vous dis à tout à l'heure et ciao.